Madame, avant que vos gens n'installent ces fauteuils, je vous prie de considérer une dernière fois cette perspective, où la nature semble s'exprimer sans notre intervention. Livrée à elle-même, pour elle-même. Regardez. N'imagine-t-on pas quelqu'un assis et rêvant? Ne sentons-nous pas ces rêveries suivant les couleurs du paysage? Nous ne sommes plus devant la nature, mais devant la rencontre de l'homme avec celle-ci. Marquis, vous touchez juste. Mais pourquoi m'avoir demandé deux fauteuils alors qu'un seul suffisait? C'est que je n'ai pas terminé la démonstration. Ces deux fauteuils ne nous laissent-ils pas supposer deux personnes assises, silencieuses, côte à côte, l'âme unie devant le même paysage, liées par un lien aussi sacré que l'imperturbable sérénité de la nature ?